prends place. Merci, tonton. Tonton, c'est elle là-bas. Oui, Ndiasso. C'est la laide femme chez qui je vis. Tonton, mais attends. Mais est-ce que c'est un problème? C'était avant, hein? C'était avant. Et maintenant? Tonton, est-ce que c'est ma femme? C'était ta femme avant. Non, tonton, c'est pas ma femme. Bon, dis-moi, tu me cherchais même pourquoi? Mais tonton, est-ce que je te cherchais? Est-ce que c'est ce que je t'ai dit dehors? Je te cherche même maintenant. Tu me cherches donc pourquoi? Tonton, toi-même, tu es venu au village l'autre jour, je t'ai dit que ouais, tonton, ça ne va pas. C'est devenu plus dur encore que le jour-là, hein? Même pour avoir un petit quelque chose pour manger, même les jobs n'existent plus au village. Moi, je suis venu ici là pour habiter chez toi. Maintenant que tu as insulté toutes mes femmes, tu vas donc habiter où? Donc elle aussi c'est ta femme? Je te vois nerveuse depuis là. Mais quelque chose ne va pas. À ton avis. Mais ne me dis pas que c'est encore à cause de Ndiasso que tu es énervée comme ça. J'espère qu'il ne va pas passer la nuit ici. Est-ce qu'il dort sur ton lit? Je ne veux pas le voir dans mes entourages. Mais c'est quand même mon neveu. Et puis quoi? Si tu veux le berger, envoie-le chez ta femme. Donc tu n'es pas ma femme? Je suis ta femme qui te connaît dans ma famille. Je passe mon temps à m'occuper de ta famille et tu dis que personne ne me connaît. T'occuper de ma famille ne veut rien dire. Tu m'as doté, tu m'as épousé, tu m'as mis la bague au doigt. Tonton. Quoi? Tu as un problème avec moi? Depuis que je suis arrivé ici, je veux que tu me trouves ma chambre pour que tu me dises là où je vais dormir. Moi, j'ai envie de me reposer, tonton. Il faut voir ça avec Trisha. Trisha, c'est qui? Ah, Trisha. Merci. Installe-le dans la chambre des étrangers. Qui? Tonton, c'est encore quoi ça? Moi, je suis un étranger ici chez moi. Le chez toi, c'est pas le chez moi. Hein? Non. Moi, je ne dors pas dans la chambre des étrangers. Non. Bon, installe-le dans la chambre des autres. D'accord, monsieur. La chambre des autres. Même moi. C'est la chambre des autres. Oh, je dis, hein. La chambre des autres, c'est quelle chambre? Je sais. Et tu m'amènes alors où? C'est vous qui avez fait l'école. Et toi, tu as fait la classe? C'est vous qui avez fait l'école. On te dit la chambre des autres. Tu dis oui, tu m'amènes où? Tu as une maison. Attends. Mais monsieur. Oui. Monsieur, la chambre des autres, c'est quoi? Fichez-moi la paix. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Mais, on t'a pas dit que tu es très belle. C'est vous donc pas le droit de taper sur ma fesse. Seulement parce que t'es touché comme ça là. Que tu fais comme si peut-être je t'avais tué quelqu'un. C'est vous donc pas le droit de toucher mon corps n'importe comment. Et en plus, je ne suis pas votre femme. Iyaye. Tu n'es pas ma femme. Iyaye. Mais Ndiasso. Oui, tonton. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je fais même quoi? Tonton, il y a les zones interdites dans cette maison. Il n'y a pas de zone interdite, mais il y a des zones réservées. Ah, mais tonton, pourquoi tu me déranges alors comme ça? Il faut donc écrire ça sur un bout de papier, tu affiches. Comme ça, je saurai la zone qu'il faut toucher et celle qu'il ne faut pas toucher. Trisha, ça va? Non, ça va. Trisha, tu as des problèmes? J'en ai tellement. J'ai un problème de loyer. On parle de là maintenant, là. Tu as des problèmes. Tu as un problème là maintenant. Quand je sors, je laisse mes problèmes à la maison. Donc tu marches avec tes problèmes.
Tonton, tu comprends donc qu'on n'a que des problèmes de loyer? Donc tu es là pour résoudre ces problèmes de loyer? Tonton, moi, comment? Si j'avais le loyer là, c'est que je suis venu te voir ici, tonton. Je peux résoudre ça comment?